Nous sommes à Salagnac, un village a priori calme et sans histoire. Mais ce matin, samedi 21 janvier, aux alentours de 8 heures, un père a tué son fils au domicile où ils vivaient tous les deux ensemble. Nous ne sommes pas certains de l'identité du fils. Le père, quant à lui, octogénaire, se nomme René Loubria. Le drame est survenu dans le hameau La Robertie. L'accès à la maison est actuellement bloqué par les gendarmes. Le voisinage témoigne d'une famille discrète, comme l'explique Paul Géraud, un des voisins tout proches. Des rapports un peu éloignés, pour une bonne raison, c'est que son caractère n'était pas du tout à ma portée, quoi. Et puis il n'était pas trop fréquentable de ce côté-là, quoi. Pour le moment, nous ne connaissons pas les raisons de ce geste. Il est actuellement déterminé si l'octogénaire est apte à être placé en garde à vue.